Et yo tout le monde, ça se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on se retrouve sur une nouvelle vidéo, une nouvelle série sur la chaîne. Actuellement, moi je viens d'avoir ce jeu, je viens de l'acheter. Et je vais j'ai envie d'y jouer maintenant. Je vous dis que la vidéo Fall Guys actuellement n'est pas encore sortie à un moment où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire la vidéo de la semaine dernière. Donc pour vous dire que je la tourne vraiment, vraiment ça fait deux. Là, hier j'ai fait le montage de la vidéo Fall Guys, avant-hier j'ai tourné et là je suis en train de retourner une deuxième vidéo. Deux vidéos en une journée d'ailleurs j'ai tourné. Parce que j'avais qu'une envie d'y jouer, je venais de l'acheter, j'avais vraiment hâte d'y jouer. Mais j'ai préféré faire la vidéo maintenant. Et vous voulez que je vous la beauté de la vidéo, c'est Pokémon Violet. Les gars, pour vous dire, c'est que du coup comme je viens de l'acheter, je vous dis que c'est pour une fois... Je n'ai jamais joué à ce jeu avant de faire la vidéo. J'ai déjà vu plein de vidéos dessus, j'ai vu que toute une série dessus. Et actuellement, pour vous montrer, pour avoir une preuve aussi que je l'ai pas. D'ailleurs, c'est un jeu qui est sorti il y a pas très longtemps. Et pour vous dire que je l'ai pas encore déballé. Voilà, je viens de l'acheter hier. Je l'ai pas encore déballé, vous voyez ici. Bon, bref, voilà. Du coup, j'ai pas encore déballé. Je vais le déballer déjà avec vous. Déjà, je vais prendre le ciseau. Déjà, j'ai pris tout. Rien nécessaire. Hop. Voilà, j'enlève le plastique. Ouch. Voilà, du coup les gars, c'est bon, je viens de déballer le jeu. Et maintenant, nous allons partir sur le jeu vite fait, sans vous expliquer. Donc c'est Pokémon, j'ai déjà fait un Pokémon sur ma chaîne, j'ai fait Pokémon Let's Go. Alors c'est plus un, ça vous allez voir. Parce qu'en fait, là c'est un jeu libre, un peu plus libre que Pokémon Let's Go, qui sera sûrement mieux. Et du coup, en fait, il y a déjà plus... Bon, je vais vous en parler tout à l'heure, mais il y a plusieurs objectifs, il n'y a pas que les arènes à faire. Je crois que c'est l'un des premiers Pokémon, il n'y a pas que les arènes à faire. Il y a vraiment 5 objectifs. Il y en a 3 principales. Et après, il y a des objectifs. Il y a 2 objectifs secondaires. Bah, après, il y a 2 trucs à faire. Mais que je ferai, je pense, aussi en vidéo d'ailleurs. On verra. Après, la vidéo, j'espère que j'ai pas envie qu'elle dure trop longtemps. Donc, vous savez, entre les vidéos, je risque d'XP mes Pokémon. Bon, en tout cas, je vous ai expliqué tout ça. Mais d'abord, générique. Et on se retrouve. Alors, soit juste maintenant. Parce qu'à mon avis, il y aura un téléchargement à faire. Comme c'est la première fois que j'ai ce jeu. Donc, on se retrouve, à mon avis, tout à l'heure. Mais d'abord, générique. A tout de suite. Voilà les gars, on arrive sur le jeu. J'ai mis la langue française. Bah, du coup là, on va commencer. Je pense que la manette pro fonctionne parce que les manettes, vous savez très bien qu'elle bug. Et j'ai couvert sur la boîte. Donc on va normalement, ça devrait fonctionner. Ouais, de toute façon là pour l'instant j'arrive à bouger. On va y aller. Ouais, c'est bon, j'arrive à bouger. Donc là, ils m'ont donné sélectionner l'apparence. Moi, vous me pensez que je vous montrerai plutôt comment. Moi, j'ai envie de mettre le blond là. On va mettre le blond. Mais du coup, c'est pour les 2 ans de la chaîne. Et aussi. Ah, on va mettre. Est-ce qu'il va accepter Adribos? Je ne sais pas, mais on va voir. Je vais traiter Adribos, on va voir si elle va accepter. Changer la coupe, frère. Attends, on va mettre une autre coupe. Oh. Ouais, on va mettre oui, les gars, c'est parti. On commence l'aventure Pokémon. Formulaire d'inscription. Académie Raisin. Langue française. Non, Adribos. Ah merde, je me suis suivant. Les gars, c'est parti pour l'aventure Pokémon. Pokémon Violet. Donc, en fait, il y a 2 versions qui existent. Alors, je sais pas trop quelle est différente des versions à part le Pokémon spécial. Moi c'est Miraidon, du coup Pokémon Violet, mais sinon c'est Coraidon, ce Pokémon Écarlate. Mais c'est le même jeu, sauf qu'il y a le jeu des Pokémon qui n'apparaissent que dans une version et tout. C'était comme Pokémon Let's Go Evoli au départ, on avait Evoli et l'autre. Il y avait des Pokémon, voilà. Moi j'avais Pokémon Let's Go Pikachu lorsque je l'ai fait à l'époque. Mais voilà, du coup nous allons commencer cette aventure avec vous. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Là sur ça je vais tourner 2 épisodes directs. Et après je pourrais XP entre les épisodes, donc je pourrais toujours y jouer régulièrement et tout. Et oui, donc les arènes aussi, genre, en fait, tu peux faire dans n'importe dans l'ordre que tu veux, mais il y a un ordre que j'ai regardé, justement, un youtubeur me conseille, j'ai regardé des vidéos tuto, pour savoir un ordre qui est l'ordre le mieux, qui est le meilleur ordre. Mais parce que, du coup, sinon on pourrait faire le truc dans l'ordre qu'on veut, mais après, c'est parce que, sans doute, je sais pas, j'ai la dernière arène sans vouloir, et je suis tombé, au tout début du jeu, j'aurais tombé contre des Pokémon qui seront niveau 50, c'est pas hyper bien, quoi. Du coup, les gars, on arrive sur ma maison, sauvegarde en couille. Mais du coup, il y a plusieurs objectifs à faire. Il y a du coup l'objectif de l'arène, normal, plus avec Pokémon. Après, il y a, on fera les dominants. Il y a 4 gros Pokémon qui vont pouvoir débloquer des capacités secrètes pour nos Miraidons.
Et après, il y aura objectif Stardust, c'est un peu comme la Team Rocket, et ça s'appelle Team Star. Et il y a genre des arènes un peu de la Team Star spéciaux à faire aussi. Et après, il y a deux objectifs et moyens, on ira dans la zone 0 pour battre le boss final du jeu. Et on va capturer après les 4 Pokémon légendaires de ce jeu. C'est les Pokémon Fléau. À mon avis, je pense que je ferai tout ça. D'ailleurs, peut-être dans longtemps, mais voilà. Du coup, on va se lever, oui. Ah, je peux pas courir encore, parce que je suis à l'intérieur. Ouais, c'est vraiment loin. Oh, ça m'arrête. Donc les gars, quand, c'est pas comme dans Pokémon Pikachu ou Evoli, Pokémon Go, c'est que... Je dois aller où? Je sais pas où je suis d'aller. Si. C'est que Pokémon... c'est qu'en fait, il y aura un starter à choisir. Donc tu auras soit pousse à chaque un Pokémon de type plante, c'est le premier Pokémon de jeu, soit coiffe donc un Pokémon de type eau, soit Chochodi, qui est un Pokémon de type feu. Il y a ça dans tous les Pokémon sauf les Pokémon Let's Go à ma connaissance. Donc voilà, vous verrez bien, y a, c'est un choix. On se prête à l'heure qu'on devra choisir, mais voilà. Coucou mon cœur. Oh, mais tu portes déjà ton uniforme. C'est vrai que c'est ton premier jour dans ta nouvelle école aujourd'hui. Je suis si contente pour toi. Mais j'ai bien peur que tu dois faire preuve d'un petit peu plus de patience. L'école vient d'appeler pour te demander d'attendre ici. Apparemment, ils ont envoyé quelque chose de très important à tous les nouveaux élèves. Mais on n'a pas, mais on a encore rien reçu. Ding dong. Ah, quand on parle de Lugarok, va vite ouvrir, c'est sûrement pour toi. Je vais ouvrir. Au départ, c'est lent, hein, c'est normal, hein, c'est le début du jeu. Il y en a sûrement peut-être qui jouent ce Pokémon et que c'est leur premier Pokémon. Moi, même si je connais, oh, c'est pas par là déjà. Là, je commence à me gros de direction. Ah. Veuillez m'excuser, je me suis permis d'entrer. C'est Monsieur Clavel. Là, on connaît pas encore son nom, mais je sais que c'est Monsieur Clavel. Vous êtes Monsieur Adribos, je présume. Je suis sincèrement navré pour l'arrivée si tardive de vos documents d'inscription. Laissez-moi me présenter. Je suis Monsieur Clavel. C'est ça? Ouais, je me nomme Monsieur Clavel. Je suis le proviseur de l'Académie Rizin. Vous êtes le proviseur, vous êtes venu personnellement chercher mon fils. C'est bien le taxi. Le proviseur fait taxi, c'est super cool, hein? Alors c'est pas mal, hein? Vous aurez bien voir ça d'un vrai pour aller au collège. Le proviseur est le premier responsable des bévues de son académie, après tout. Voici pour vous. À l'intérieur, vous trouverez les documents d'inscription ainsi qu'un plan de l'établissement. Vous vous êtes déplacé spécialement pour ça? Oh, il ne fallait pas. Mais puisque vous êtes là, laissez-moi au moins vous offrir quelque chose à boire. Okay. Allons vous trouver. Ah, c'est pas maintenant que je choisis, c'est pas maintenant que je choisis. Là, c'est 3 Pokémon. Je dois choisir un, pour commencer à mentir, je dois choisir entre un des 3. Et les problèmes des Pokémon Starter, c'est que je peux pas les trouver sur la map. C'est-à-dire que là, je choisis un des 3, mais deux autres, je pourrais jamais les avoir. Sauf en faisant des échanges avec des potes qui jouent au même jeu, qui ont pris un autre Starter que moi. Mais non, mais là, par exemple, c'est lesquels je vais choisir, je pense. Mais je vais pas vous dire pour l'instant. Bah, pourtant, celui que je vais choisir, c'est moins bien. Mais je sais qui choisir, en tout cas. Et donc, pousse à chaque Pokémon de chaque plante. Pousse à... Chochodi, le Pokémon Croco-feu. Et Coiffeton. Coiffeton, le Pokémon Caneton. Quoi? Comme vous pouvez le voir, ces 3 Pokémon sont très dociles et bien éduqués. Observez donc... Il ne me lâche pas d'une seule. Ah, plaît-il? Curieux, il semble beaucoup s'intéresser à vous, monsieur Adribos. Monsieur Adribos, ça me fume. Oh, l'heure tourne. J'aurais bien aimé rester pendant que vous réfléchissiez à votre choix, mais le devoir m'appelle ailleurs. Je dois me rendre dans cette maison lorsque vous aurez fait votre choix. Rejoignez-moi là-bas. Ah si, c'est maintenant en fait. Ok, profitez de ce temps pour réfléchir. C'est une décision qui ne doit pas être prise à la légère. Donc les gars, vous me dites ce que vous... On va dans les commentaires si j'ai un problème avec les commentaires. Mais oui, du coup, sur sa parole à tout à l'heure. Mes hommages, madame. Et oui, je sais lesquels choisir. Tu dois choisir un Pokémon parmi ces 3-là. Ça ne va pas être facile. Ils sont tous si mignons. Mais puisque tu as le temps, pourquoi ne pas te balader avec eux? Donc ces Pokémon, voilà, je vous dis, je ne pourrais jamais avoir. Si j'en choisis un, les deux autres, je ne pourrais jamais les avoir en fait. Comme ça, tu en apprendras peut-être plus sur ces Pokémon.
Oh, une dernière chose. Maman, t'as acheté un petit cadeau pour célébrer ton premier jour. D'accord, garde-le sur toi, d'accord. C'est la carte? C'est quoi? Ah, le motif smart, bien sûr. Dans la poche, objet rare. C'est le premier Pokémon, je pense qu'il faut lui parler. Elles sont là. Ok. C'est, elles ont de qui d'ailleurs? C'est pas même. Oh! Ah, ils sont déjà dans leur milieu. Lui, il est dans l'eau. Oh, lui, il est en train avec les fleurs. Mais il est trop mignon pour sa chasse, je trouve. Oh, chouchou d'île! Il va cramer la pomme? Oui, je crois que c'est la pomme. Voilà. Pomme flambée. T'as un dresseur et son data c'est Pokémon. Voilà, Menzi. Non, il n'a pas encore fait son choix, mais cela ne saurait tarder. Elle est plus jeune. Elle est plus vieille que moi, on est d'accord. Je suis curieux de savoir qui sera votre partenaire. C'est maintenant là? Maintenant? Oh, ils sont trop timides. Non, j'ai pas envie de choisir, j'ai pas choisir. Salut, t'es de nouveau dans le coin, je me trompe. Je dois bien avouer que je ne vous attendais pas de si tôt. Monsieur, mais alors c'est... Je vous présente Monsieur Adribos, il va rejoindre l'académie dès aujourd'hui. Oh, mais bien sûr, c'est toi qui as emménagé dans la maison d'en face. J'avais super hâte de te rencontrer. Moi, je m'appelle Menzi. D'habitude, j'habite sur le campus de l'école, mais bon, t'es quand même mon nouveau voisin. Alors, devenons amis, t'es d'accord? Non. C'est quoi si je dis non? Aider. En fait, oh, j'adore les combats contre Pokémon, j'ai vraiment hâte qu'on s'en fasse ça. Et vraiment, j'ai dit non. Attends, vraiment, j'ai dit non, il veut... Attends, mais je pensais... Ah, merde, je crois que j'ai une connerie, les gars. J'ai dit non. Je sais pas si ça change quelque chose. Donc, les gars, c'est l'heure du choix. Alors, vraiment. Il paraît que le Pokémon que... Oula, non, 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 non. Le Pokémon que je vais... choisir, il paraît que c'est le... moins fort. Mais vraiment, je l'aime trop... Ah oh, non, je vais pas partir, t'inquiète. Je choisis soit Poussacha, le Pokémon de type... Non, ils sont vraiment petits. Hein. Coiffe-t-on, le Pokémon de type eau, ou Chochody, le Pokémon de type feu. Vraiment, j'ai fait mon choix. Et ce sera... Coiffe-t-on. Quoi? C'est quoi ton de type eau? Oui, on s'en fout. Et... Non, je me suis trompé, c'était une chose aussi que je voulais avoir quand un mytho. Je rigole bien sûr les gars. Et les autres, voilà. On peut pas avoir les trois. Pourquoi ils nous donnent pas les trois? Et par ici, oui, t'inquiète, je te vois. Elle me crie alors que je suis juste à côté d'elle. À partir du moment où on a un partenaire Pokémon et un dresseur, ça fait combattre ces Pokémon pour qu'ils deviennent plus forts. Adribos, t'es prêt pour le combat? Non. Bon, on va pas dire n'importe où quand même. Sinon, je suis un peu. Je refuse un peu tout. Super, hein, enfin passé au sérieux. Bon, quel Pokémon je vais choisir? Bah, elle a pas 36 000 des Pokémon dans son équipe alors. N'oubliez pas qu'Adrebois débute tout juste dans le domaine. Ah oui, ok. Oups, vous faites bien de me rappeler. J'ai fait envoyer mon meilleur Pokémon. Ah oui, ok. J'ai pas compris. Dans ce cas, je vais envoyer celui que j'ai choisi tout à l'heure pour son premier combat. Bon bah là si j'ai une attaque type haut ça va aller vite hein, parce que vraiment il type feu donc Et j'ai le tableau des types, je crois que je l'ai déjà dit mais je vais redire, j'ai le tableau des types. Allez battons-nous un truc, il n'y a rien de tel pour progresser. Mandy la dresseuse veut se battre. Chouchou deal. J'en ai plus. Coffre-ton, go. VS. C'est ton premier combat Pokémon, j'espère que ça va te plaire. C'est pas en premier, mais dans ce jeu aussi, mon premier Pokémon. Donc, ils sont tous les deux niveau 5. Oh bah, ok, on a plus qu'à la haut, les gars, on va aller vite. Ah, je sais pas. Oh, si, si.
Oh oui, c'est ça, type haut et fort contre type, tu connais bien les bases. C'est pas hyper bien compliqué. Même si les gens qui commencent Pokémon, je pense qu'ils devront. Ils vont trouver leur meilleure attaque. Pokémon pistolet à eau. Yes! C'est super efficace! Tout. C'est ton premier combat Pokémon, les gars. Ah oui, il augmente au niveau 6. Ok, niveau 6 pour mon pote. Oh, tu te débrouilles bien! 300 Pokédollars. Nice. C'est le mieux. Ça alors, t'as gagné alors que c'est ton premier combat. T'es super doué. Tu vas devenir un dresseur hors pair. Ça, je te le garantis. Puisqu'on est là, j'aimerais bien tester une autre stratégie. On se fait un autre combat. Hein? Dis-moi, c'est quoi, toi, on a besoin de reprendre des forces. Oui, on est d'accord, c'est comme je me souviens pas quand j'ai vu des vidéos dessus qu'on faisait un deuxième combat juste après. Mais... Oups, je me suis laissé emporter par mon enthousiasme. Regarde Adribos, oui. Ah, je capture un tissant boule. Je capture un tissant boule. Pokémon sauvage un peu partout. Oui, je sais. Merci. Je vais essayer de jouer. Mais il faut faire attention car quand on s'approche de trop près, il nous attaque. Mais t'en fais pas avec Coifton de tes côtés, t'as rien à craindre. Mais pour capturer un Pokémon, je suis sûr que tu sais déjà ce qu'il faut. Et oui, une Pokéball. Tiens, je t'en donne quelques-unes, t'en fais pas, j'en ai plein d'autres. C'est un Pokéball. C'est vraiment quelques-unes, hein, vraiment. Wouhou. Tu as pique toi. On passe à la pratique et on va se battre toi contre lui. Pas contre lui, non. Ah, j'ai oublié de capturer lui en fait. Bon bah dis donc, on va passer directement. Oh merde, j'ai fuite. Merde, j'ai pas fait. J'ai appuyé sur fuite. Putain. Merde, j'ai appuyé. J'ai vraiment les. X. Hop là. C'est une Pokéball. Wouhou. Allez, arrête, je vais arrêter dedans, c'est sûr. Vous attrapez Gourmelé. Ralouf. Non, je... 20. Il se fout de ma gueule. Gourmelé. Non. Ah bah oui, quand même. Pourquoi ça m'arrête? Ah oui, je suis arrivé au fort, ok. Attends, tu captes plein de Pokémon? Fais-moi voir combien t'en as. Ouh, vous allez comment? Ouah! Ah non, c'est une voix mystérieuse. Ah oui, c'est une Mirato! Ah, qu'est-ce que c'était? J'ai jamais entendu un autre si... pareil. Si ça se trouve, c'est juste un Pokémon puissant. À droite, en avant, ça vient. Par contre, les gars, gagnent. Oh, j'ai pas vu. Il y a toujours un pas tombé sur la falaise. Les motifs smart sont équipés d'un système. Tu sais qu'il est dans le t-shirt, mais quand même. Pourtant j'ai touché le sol avant d'après, ça a touché le sol, ça m'a fait sauter et j'ai récupéré mon petit smart et j'ai fait los, c'est des malos. Miraidon, je sais vraiment pas du tout comment ça. Waouh! Un Pokémon mystérieux est effondré à bout de force. Et si vous lui donnez quelque chose à lui le remettre sur pied? C'est pour ça qu'elle m'a donné le sandwich en fait. Peut lui donner un Motismart.
Il ne semble pas, on va essayer de donner autre chose. On va lui donner un... Ah, je suis peut-être là. Non, en vrai, faut que je lui donne le sandwich. Je vais déconner. Agra. Lui c'est un Pokémon, alors son type c'est dragon électrique, voilà. Agri. Vraiment les bruitages c'est gênant de ouf. Agro. Wesh. Wesh ma gueule. Agro. Pour une autre forme là. Il se barre, bon bah merci, il ne remercie même pas. La Pokémon, je vais aller la voir. Oh là là. Ah, que j'étais trop loin. Eh oh, Atribos. Ah, t'es là, ça va, rien de cassé? Ça va. Tant mieux, tu m'as fini de ces peurs. Si t'avais été blessé juste à cause de ma curiosité, je ne me serais pas pardonné. Enfin, peu importe, maintenant, il faut qu'on te sorte de là. D'abord, essaie de remonter. Quand tu seras assez proche, je te tirerai de là avec une capacité Pokémon. Il est super fort. Il te regarde André qui veut que tu le suives. Oui. Je sais pas, je ne même pas concentré sur ce que c'est. Oh là là, c'est incroyable. Oui. Mais par contre, laissez-moi tranquille. Oh là 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 là. Ouf. J'ai envie de capturer un Démolos. En tout cas les gars, j'espère que cette vidéo sur Pokémon Violet vous aura plu. Moi, je vous retrouverai à la prochaine pour la suite, donc pour la semaine prochaine, pour la deuxième vidéo de cette série. J'ai pas passé grand chose, peut-être ça vous a pas trop intéressé si vous avez vu ces vidéos. Mais ne vous inquiétez pas que les autres épisodes seront plus intéressants. En tout cas, je vous retrouve à la prochaine, tout de suite, mais à la prochaine. Salut !